et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour découvrir avec vous le contenu de la box évidence de ce mois d'avril que je viens de recevoir à l'instant. Et cette fois-ci, je n'ai pas triché, je ne l'ai pas encore ouverte, je ne me suis pas spoilée sur Instagram ou d'autres réseaux sociaux. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est lourde et qu'elle fait un espèce de petit gling gling comme un bruit en verre. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de casse. On va découvrir ça en direct. Si vous ne la connaissez toujours pas, la box évidence propose des produits bio et naturels, deux produits cosmétiques, un produit maquillage et une gourmandise. Maintenant que tout est dit, je vais l'ouvrir. Je vous montre en même temps, tant bien que mal. Voici. Donc, on retrouve toujours notre petit flyer avec le contenu de la box, une petite phrase d'accueil et tout. Je regarde pas parce qu'il y a des photos des produits derrière, donc je veux pas me spoiler, vraiment pas. Tous les produits sont enroulés dans du papier de soie, comme ceci. Allez, c'est parti. Ah, ça y est, je sais de quoi vient le gling gling, c'est pas grave. C'est pas un truc en verre, en fait, c'est ça. C'est un taille crayon de la marque Pura Bio. Donc visiblement, c'est une nouvelle marque de maquillage bio, pardon. Donc je disais que visiblement, c'était une nouvelle marque de maquillage bio. Une marque italienne, il me semble. Je sais pas, on va regarder. Je vais tout vous présenter. Alors, le premier produit qu'il nous présente, c'est un produit de la marque Imoué. Et il s'agit de ceci. Alors... là, clairement, on ne sait pas du tout ce que c'est. Voilà, on a juste le nom de la marque. Et c'est tout. Il n'y a aucune autre indication. C'est un flacon en verre, donc c'est une bonne chose. Du coup, ben, on va lire directement ceci, parce que là, on n'en sait rien. C'est une marque qui a été créée en 2014 par Candice. Donc, il propose une gamme de soins très riche en actifs, aux ingrédients peu transformés et respectueux de l'homme et de la nature. Sa priorité est de vous apporter bien-être et efficacité avec des huiles essentielles et des fleurs de Bac. Candice a créé deux soins visage, Malila qui apaise et Ital qui dynamise en toute harmonie pour faire face aux aléas de la journée. Votre soin est un produit artisanal et ça, je trouve ça vraiment génial. Alors, glisser un produit artisanal dans la box, c'est top. Prenez-en soin en le protégeant du soleil et des fortes chaleurs. Cette cuvée a été réalisée il y a quelques jours pour notre box évidence. Vous avez 12 mois pour l'utiliser. Les exigences d'Imoué dépassent les labels bio en créant des soins naturels bio, mais aussi locaux et équitables par leurs ingrédients de culture européenne, leur packaging et leur fabrication. C'est tout ce que j'aime et il nous faudrait plus de produits comme ceci. Alors c'est vraiment top de retrouver ça dans la box. Et il nous précise encore que Candice, donc la créatrice, vous donne la compo de ces produits en français pour une transparence totale. Rendez-vous sur le blog. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc là, moi je veux quel du coup? Ital, donc le soin Ital, c'est pour les peaux normales mixtes à grasse. Ma peau est mixte, donc c'est top, mais elle est aussi sensible. Les deux auraient pu me plaire. Ce léonctuot tire son efficacité des agrumes aux propriétés astringentes et purifiantes. Son parfum est pétillant et sa couleur lumineuse est vitaminée. Le zinc réduit la production de sébum et améliore l'hydratation et la cicatrisation. Après 3 semaines d'application quotidienne, les imperfections cutanées s'estompent sans décaper ou agresser votre peau qui redevient saine et resplendissante. Ça va être ma nouvelle crème de jour, je pense. Parce qu'en ce moment, je ne sais pas quelle crème de jour utiliser. J'en ai plein de neuves, je ne sais pas laquelle choisir. Parce que ma peau est vraiment très sensible, très réactive. Donc je vais tester celle-ci, je vous en reparlerai du coup. Le prix boutique, attention, est de quand même 42 €. Mais c'est un produit purement artisanal et vous savez ce qu'il y a dedans, donc voilà. Il est labellisé vegan, slow cosmétique, sans huile de palme. Il est fabriqué en Belgique et il est cruelty free. Tout pour plaire, plus qu'à tester. Et il faut que ma peau l'approuve aussi. Je suis curieuse de découvrir avec vous la texture, donc on va faire ça sur le dos de ma main. Oh, c'est tout frais. C'est une texture super fluide, j'aurais pas cru. Ça sent clairement les bonbons à l'orange, mais vraiment. Ah, c'est cette odeur. Et ça laisse instantanément la peau de ma main toute douce et légèrement veloutée. Bah, de la tester sur mon visage. Le produit maquillage de ce mois-ci n'est pas vraiment une surprise puisque la box évidence nous demandait de choisir notre teinte sur notre compte. N'hésitez pas à ajouter mon mail comme parrainage, ça vous fait gagner 3 €, je crois, il me semble. Je vous reprécise ça en barre d'infos. Donc il s'agit d'un crayon à sourcils et j'en suis ravie puisque le mien n'est pas bio du tout, il vient de chez Emma, mais la teinte me convient, donc en espérant que celui-ci me conviendra. Donc c'est un crayon à sourcils avec son taille crayon, ça c'est encore mieux, ils n'ont pas fait les choses à moitié, de la marque Pura Bio Cosmétique. Sculptez vos sourcils pour un regard intense et profond, sa mine dure et précise est idéale pour dessiner les sourcils et camoufler les imperfections dues à une carence pileuse ou à un défaut de forme.
Non, si vous avez les sourcils clairsemés, ce n'est pas un défaut de forme, mademoiselle, non. Il n'y a rien d'anormal à avoir les sourcils clairsemés, d'après moi. Bref, sa brosse s'utilise pour peigner et estomper la couleur. Le prix boutique est de 5,90€ pour le crayon. Le taille crayon est à 3,99€. Il est labellisé vegan, ok, cosmétique biologique, nickel tested, je suis nulle, j'ai pas l'accent, et un autre logo. Il me semble que c'est une marque italienne et le packaging, je le trouve plutôt sympa. Hop, là vous avez le petit peigne qui a l'air bien qualitatif, et ensuite voilà, vous retirez le petit bouchon et vous avez voilà, c'est pas mal. Le deuxième et dernier produit soin, bah c'est top, ça me convient tout à fait, puisqu'il s'agit de l'eau florale de Bleuet de la marque Santifolia. Je crois que j'ai jamais testé cette marque. Enfin là, de tête, j'ai pas souvenir et pourtant je la vois un peu partout. Le pollen est de retour, vous avez les yeux irrités. Appliquez en compresse sur les yeux pour soulager, mais aussi pour estomper les signes de fatigue. Reconnue pour ses propriétés calmantes, adoucissantes et rafraîchissantes, l'eau florale de Bleuet constitue un excellent soin pour reposer et illuminer les yeux fatigués. Fabrication française, certifiée EcoCert, le prix boutique est de 8,45€. J'adore ce genre de produit. Alors moi personnellement, ça n'a pas vraiment d'action à proprement parler sur mes cernes, puisqu'elles sont noires en fait. Là ça se voit pas, merci les éclairages, merci l'anti-cernes. Mais sinon j'ai des cernes noires, marron, donc voilà, il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Mais par contre je sais que ça estompe pas mal les poches sous les yeux, d'après ce que j'ai pu lire à droite et à gauche. Et dans tous les cas, ça détend. Donc oui, si vous faites des réactions allergiques au pollen ou à que sais-je. Moi par exemple, hier, là ça se voit plus trop. Grâce à l'anti-cerne aussi, j'ai attrapé un gonflement rouge-violet sous mon œil. Je ne sais pas pourquoi. Ce que j'ai fait le soir même, c'est que j'ai appliqué des compresses d'eau de Bleuet dessus et ça s'est carrément estompé. Donc c'est un très très bon allié et j'aurai enfin l'occasion de tester la marque Santifolia. On termine avec la gourmandise. La fille sourit énormément quand on parle de chocolat. En plus, c'est du chocolat au lait. J'adore ça. C'est de la marque Rapunzel. Excusez encore une fois ma prononciation. Chocolat au lait au mélange étudiant. Pour faire plaisir à l'ensemble de nos abonnés, nous vous proposons cette fois du chocolat au lait. Ce chocolat italien sucré au cristallino, au sucre blond cristallisé, au goût caramélisé, va vous faire fondre de bonheur. En fait, le fait de lire la description, sucre blond cristallisé au goût caramélisé, ça me donne envie de le manger. Voilà, je suis une grande gourmande. Ce délicieux mélange de chocolat et de fruits secs bio, noix de cajou, noisettes, abricots et raisins, a l'avantage d'allier gourmandise et propriétés nutritionnelles à vos papilles. Il est certifié agriculture biologique et le prix boutique est de 3,70€. Hâte de le goûter, je vais le goûter je pense tout à l'heure. Pas tout de suite puisque comme d'habitude je vais prendre les produits de la box en photo pour Instagram, etc. D'ailleurs la gourmandise du mois dernier, je vous en avais pas fait de retour du coup, mais c'était extrêmement bon, je l'ai descendu en 2-2. Et dernière petite chose qu'on retrouve dans la box, c'est un dépliant de la marque Puro, c'est Puro ou Para? D'accord, Puro Bio pardon, cosmétique, donc c'est un dépliant avec tous leurs produits je crois. Donc c'est une marque qui est organique, cosmétique, nature, vegan, voilà. Nickel tested comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il me semble vraiment que c'est une nouvelle marque. Donc je suis contente de pouvoir la tester. Si jamais vous voulez que je me procure des produits de cette marque, pourquoi pas pour la tester plus en profondeur, dites-le moi, j'essaierai de voir ce que je peux faire. Ça dépend des prix. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Puro Bio Cosmétique conjugue la beauté des couleurs et l'haute performance du maquillage en respectant la peau. Puro Bio Cosmétique privilégie des actifs biologiques certifiés de haute qualité en éliminant les substances dangereuses et réduisant le risque d'allergie. De très bonnes choses. Des actifs végétaux et minéraux sont utilisés. Pas de parabènes, pas de silicone, pas de pétrolatum, pas de conservateurs synthétiques et nickel tested. Et voilà, du coup, c'en est tout pour le contenu de la box évidence de ce mois d'avril. J'aime beaucoup les produits qu'on y retrouve. Surtout le chocolat. Non, je déconne, c'est pas mon produit coup de cœur, même si j'adore le chocolat. C'est ce produit artisanal de cette marque-ci que je ne connaissais pas du tout. J'ai vraiment hâte de la tester, de le découvrir. Et je vais sentir le bonbon à l'orange, parce qu'en plus l'odeur persiste. Hein.
Donc je vous en reparlerai très prochainement. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si cette box aussi vous a plu, à vous aussi, quels sont vos produits coup de cœur. Et comme toujours, si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à la partager. Et si vous souhaitez découvrir avec moi les prochains contenus des box évidence, et ben, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Voilà, sur ce je vous laisse, je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, moi et mes cheveux gras, on se retrouve pour faire ensemble un soin que je vous ai présenté il y a peu de temps sur mon blog. Alors, j'ai décidé de vous le refaire en vidéo puisque je sais que certaines personnes qui sont abonnées à cette chaîne ne me suivent pas forcément sur le blog et vu que c'est un soin vraiment très 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 efficace, très riche et très complet, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je vous le présente.